Président de la République, là, Excellence Michel Joseph Martelly, avec ministre des Affaires étrangères culte, là, Laurent Lamotte, te quitté pays à mardi 10 janvier 2012, là, côté au terrain, dans le pays Nicaragua, pour assister à la cérémonie investiture président Daniel Ortega. Chef l'État te profité voyage ça pour chita parler avec homologue nicaragouéen sur plusieurs projets, tant que programme Petro-Caribéa, que pays Nicaragua bénéficie tout. C'était l'occasion tout pour président Martelly, chita parler avec plusieurs autres homologues dans le pays Amérique latine. J'ai avec Haïti, Nicaragua, a participé dans le programme Petro-Caribéa. Et le président Ortega a quelques temps que la, ou du moins pays a quelques temps qu'il a bénéficié de programme ça. Donc nous-mêmes Haïti, nous avons apprendre de l'expérience que Nicaragua a gagné dans gens que l'utiliser fonds Petro-Caribéa. Et en plus, nous avons intention de travailler avec le gouvernement président Ortega. Après le tremblement de terre que nous avons gagné ici il y a 2 ans de ça, le président Ortega a envoyé 2 avions avec plein docteurs, avec équipement pour nous aider dans le moment difficile que nous avons vécu là. Nous avons gagné tout 31 docteurs qui appartiennent au corps militaire et 31 docteurs ça a aidé plus de 3000 victimes. On a profité de voyage nous pour rencontrer d'autres leaders de l'Amérique latine qui sont présents dans la prestation de serment et nous avons quelques présidents tels que des Ibouterse de Suriname qui sont aux amis d'Haïti et que nous avons rencontré. Nous avons un président Hugo Chavez du Venezuela. Nous avons le président Alvaro Colom de Guatemala et nous avons profité tout pour rencontrer le président élu Otto Pérez Molina de Guatemala que nous avons rencontré déjà dans la conférence CELAC, là, Venezuela. Et là, dans l'inauguration, dans la prestation de serment, tout aujourd'hui. Jeudi mercredi 11 janvier 2012, le président Martelly tourné dans le pays. Là. Dans un point de presse dans le salon diplomatique à l'aéroport de Saint-Louverture, chef de l'État fait qu'on ait profité de voir ça pour resserrer le lien entre Haïti et différents autres chefs de l'État qui étaient dans la cérémonie d'investiture. Nous avons assisté, comme prévu hier, à la prestation de serment du président Daniel Ortega, en cérémonie assez majestueuse. Côté que tu as un pile pays qui est représenté, un pile président est là, premier ministre, secrétaire d'État. Et nous profiter, j'aime dire nous, pour nous resserrer les liens avec les différents pays qui étaient présents. Chaque fois que nous avons eu la chance de rencontrer un monde, nous avons renforcé les liens d'amitié par des considérations qui doivent gagner entre représentants pays pour chaque autre pays. Et nous rencontrer 2-3 nouveaux chefs d'État que nous pouvons rencontrer. Ce qui était intéressant, c'est que après la cérémonie, il était peut-être 11h30, minuit, nous étions dans l'hôtel. Le président Ortega, qui est fraîchement monté encore, était délégué ministre et coopération lui, dans l'hôtel là, qui était venu côté président Martelly justement, côté que lui était demandé pour ne pas partir matin. Hein. Parce que c'était important pour nous dire oui. Alors, je me suis dit que je m'expliquer, ministre, là, que je ne suis pas capable de rester. Donc, le président, encore président, a demandé pour nous oui, parce que c'est important pour nous parler. Et je crois que, j'aime dit non, même le nous ne pas allés pour nous dévoiler rien, nous sommes allés pour nous renforcer les liens d'amitié, c'est à travers la visite ça que. Il y a des discussions sérieuses qui ont tombé. Et ça te permet, nous tous, comme nous ne pouvons pas arrêter vous dire, faire quand même une séance de travail avec le ministre de coopération, ça, qui fait près de 1h30 avec nous, d'après moi, il était 1h30 du matin, nous avons travaillé. Et côté, nous avons parlé de l'expérience par eux, de l'histoire qui réussit la CAIO, par exemple, l'intégration de la jeunesse et de la femme. Côté que nous avons son décret. Que vous êtes passé. Si par exemple, vous avez un maire qui est
Et un homme, il est obligé que l'assistante ou bien l'adjoint soit une femme. Si mère là, mère reste en femme, et bon, pas un problème, s'il veut la fois une autre femme ou un homme, c'est une façon pour yo et assurer yo que la femme participe et dans le développement, yo comprenne sens responsabilité et mesdames yo. Donc c'était un bagage qui profiter qui nous n'a pas inspiré de ça, nous même nous avons des copies et décret copie arrêté pour nous qui gens nous même nous avons travaillé sur des modèles comme ça, de même que les décisions et leur implication que gagne en jeunesse là. Donc ministre affaires étrangères gétant a travaillé sur dossier ça. Président Matéli fait qu'on est là bien réunion travail avec président Ortega pendant qu'il pral participer vendredi qu'a venir là dans pays Guatemala dans investiture nouveau président guatémaltèque là Otto Pérez Molina. Chef l'État livré li nan yon bataille sans prendre souffle contre misère ak sous développement. Pour yon fois encore, li engagé li pou le faire tout ça li capable pour changer condition la vie peuple haïtien.